réveil Skyrock PLM. On commence avec un point sur l'actualité militaire française en Europe. En Estonie, le sous-groupement tactique Interarm a participé à l'exercice Karuja Akel, qui a rassemblé plus de 400 soldats français et britanniques et a permis d'éprouver les capacités grand froid et les liens des nations alliées. Le tout dans un exercice de relève de position entre les véhicules d'infanterie Griffon français et les chars lourds Challenger britanniques. En Lituanie, 3 Mirage 2005 ont réalisé un entraînement de défense sol-air avec 4 F-35 italiens, où l'objectif principal était de perfectionner la coordination entre alliés. Et en Roumanie, le bataillon multinational a participé à l'exercice Eagle Spearhead avec des alliés belges, luxembourgeois, polonais et portugais sur le camp de Simcu. L'objectif de l'exercice était de s'entraîner au combat blindé avec l'ensemble des véhicules des nations alliées. Au total, 500 militaires étaient déployés pour la première édition de cet exercice, dont 75 artilleurs. Le bâtiment ravitailleur des forces Jacques Chevalier a accueilli pendant 3 jours 4 navires de la composante maritime des forces armées en zone sud de l'océan Indien et le 2e régiment parachutiste d'infanterie de marine pour l'exercice Paillanqueux au large de la Réunion. Les missions comprenaient des évolutions tactiques, des exercices de visite du bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Champlain sur le patrouilleur Le Malin, des manœuvres de ravitaillement à la mer par les frégates et des entraînements opérationnels et logistiques pour l'hélicoptère Panther. L'exercice a favorisé la coopération interarmée des phases Zoï avec une participation du Champlain et du groupe d'assaut par la mer du 2e RPIMA, avec notamment des séances de tir en commun pour tester leur adaptabilité aux nouvelles menaces, notamment des aéronefs ultra-légers motorisés. La base aérienne 107 de Villacoublay a été mobilisée pour assister à un avion de liaison américain en détresse qui était contraint d'atterrir en urgence à cause d'une panne moteur. L'escadron des services de la circulation aérienne a d'abord guidé l'aéronef mais a ensuite perdu le contact radio et radar à cause d'une mauvaise météo. Les secours de la base, qui comprend les pompiers de l'air et l'antenne médicale, ont alors été déployés. Finalement, l'atterrissage d'urgence a eu lieu à Villejuif dans le Val-de-Marne, hors de la zone voisine d'aérodrome de la base aérienne 107. Cette intervention, qui s'est donc bien terminée, permet aussi de souligner la réactivité du personnel de la base face à des situations rares. Elle permet également de renforcer la préparation des militaires pour leurs futurs défis, comme par exemple les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le passage du mortier de 120 mm tracté des artilleurs aux fantassins a débuté à Draguignan dans le Var, conformément au plan du chef d'état-major de l'armée de terre. La formation des référents de l'école de l'infanterie a commencé avec 15 jours d'approfondissement théorique dispensé par l'école de l'artillerie. La prochaine étape en 2024 inclura 2 semaines de formation pratique sur le camp de Bergerolles, proche des écoles militaires de Draguignan, et une école à feu sur le camp de Canjouers dans l'arrière-pays varois. Cette transition vers une armée de terre de combat implique la formation des instructeurs de l'infanterie pour les 9 prochaines section d'appui mortier 120, renforçant ainsi les capacités directes d'appui des régiments d'infanterie. Sur terre, sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM, on équipe avec Unéo, la mutuelle des forces armées.